part, ça nous permet de jouir, parce qu'on aime bien aussi jouir. Oui. Et des fois, on oublie, des fois, on ne sait pas comment faire. Raconte-nous, dans toute cette démarche que tu as fait, dans toute cette nouvelle découverte que tu fais, que tu nous offres à travers ton travail, et elle est où la jouissance? Dans quel endroit tu l'as mis maintenant? Ou tu l'expérimentes maintenant? Il y a un grand paradoxe à cet endroit-là qui est que jouir, l'état de plaisir, l'état de délice, finalement, il peut souvent advenir quand on n'est pas en train de chercher l'orgasme. C'est complètement paradoxal. Parce qu'en général, on rentre dans la relation sexuelle avec l'idée que l'accomplissement, ça va être que toi tu jouisses et que moi je jouisse. Et du coup, on est tendu vers l'objectif. Et du coup, on va se mettre à aller activer les organes et qu'on sait que quand on les active, ça jouit. Et ça jouit. Super. Mais le divin, il n'est pas là. Dans le voyage vers ce sauvage et ce sacré, il y a quelque chose à lâcher de l'idée de tendre vers l'orgasme pour plutôt être là ensemble avec soi, sentir. Et à un moment, il y a quelque chose qui prend les rênes. C'est ça l'état sauvage. L'état sauvage, il n'est pas mimé, il n'est pas singé, il n'est pas... ces chorégraphies qu'on peut voir d'acheter un fouet ou de je sais pas quoi, ou de s'habiller en léopard ou notre partie wild en fait, notre partie sauvage, c'est cet état qu'on atteint quand on lâche le cerveau et que c'est les corps qui vont rentrer dans leur propre danse, parce qu'on a oublié qu'il fallait aller frotter tel paquet de nerfs pour provoquer tel orgasme, qu'on est juste ensemble et qu'on écoute là où notre corps a envie d'aller ensemble. Et c'est là l'état entre sauvage et sacré, c'est là l'état de délice, qui n'est pas forcément d'ailleurs un orgasme, pas toujours. Parfois oui, beaucoup à répétition, parfois pas, mais ce n'est pas le sujet. Et là, ça peut sembler très paradoxal, hein, et ça peut peut-être confuser des gens qui disent « mais what ?» Ben oui, il y a quelque chose à lâcher de cette course à l'orgasme. En plus, très souvent, chez les femmes, d'ailleurs chez les hommes aussi, hein, mais cette... course à l'orgasme, coupe de l'orgasme. Parce que ça met dans une tension qui ferme le corps. Et pour les hommes, ça les met dans une tension de j'ai peur de ne pas y arriver, etc. Et ça les met du coup dans le stress et du coup, on ne se rencontre pas. Et on ressort vidé d'une séance de sexe au lieu d'en sortir nourri et rempli. J'aime beaucoup qu'on soit dans ce genre de conversation, dans cette partie, et qu'on puisse finalement, je pense qu'il y a beaucoup de soulagement chez les femmes qui nous écoutent maintenant. J'aimerais bien avoir vos commentaires. Florentine va les lire tous parce qu'elle lit tout le temps les commentaires. De comment c'est pour vous de comprendre la possibilité de vivre une sexualité déjà plus intégrée dans la vie, non? Plus intégrée, comme tu disais, les préliminaires ne durent pas 20 minutes. C'est la vie finalement qui doit être. La jouissance ne se finit pas, l'orgasme, elle peut aller au-delà de l'orgasme. Je trouve que c'est là où la sexualité devient un cadeau pour la relation de couple. C'est là où je comprends pourquoi être en couple implique la sexualité, parce que pour moi, la relation de couple, c'est un chemin d'évolution personnelle, le chemin d'évolution personnelle de mon côté. Et donc, quand je vois ce que tu nous présentes maintenant, cette possibilité de démarrer avant et de finir plus loin, je trouve que c'est fantastique. Mmh. Oui, oui. Et c'est... merci vraiment d'organiser des espaces comme ça, dans lesquels on peut donner cette parole, parce que ce n'est pas ce qu'on nous sert partout. Et je pense que... on est tous en train de s'enferrer dans des sexualités qui ne sont pas notre sexualité. Parce que ce qu'on nous montre, bah, je ne sais pas, dans les films, il y a les codes, il y a l'orgasme. Dans les films, une femme, dès qu'elle est pénétrée, elle commence déjà à gémir de plaisir.
Je sais pas si tu as vu, dans les films américains, c'est plutôt madame qui est au-dessus de monsieur en Amazon et souvent elle a gardé son soutien-gorge. Il y a des codes comme ça. Et du coup, comme il n'y a pas d'école pour être amant, ben, on n'a que ces codes-là comme repère. Et on s'engouffre tous là-dedans et à partir d'un moment, on s'ennuie et on ne sait pas comment en sortir. Et donc vraiment, Maritza, merci d'organiser des espaces comme ça où on peut entendre qu'il existe autre chose. Qu'il y ait autre chose. Mais je pense aussi que si vous êtes là, c'est parce que je ne voudrais pas, comment j'explique ça, je ne voudrais pas que les femmes partent aussi avec une sensation de frustration. Je pense qu'on a besoin aussi de vivre ça, hein, comme tu dis, d'essayer de prendre un modèle. On a tous passé par là, on voulait être d'une certaine façon. Et c'est pour ça que dans les congrès de l'amour irrésistible, ça nous demande, c'est exigeant parce que. On cherche une relation de couple qui vise l'amour irrésistible. Qu'est-ce que seraient tes mots pour les femmes qui sont en train de vivre cette sexualité comme ça, hein, ou qui l'ont vécu, ou qui sont déjà fatiguées, ou qui commencent à ressentir? Beaucoup Oui, de femmes disent, mais non, mais pour moi ça va, hein, mais oui, c'est comme ça et c'est OK. mais exactement, je dirais que c'est un chemin. C'est un chemin qui peut être magnifique et que c'est un chemin dans lequel il faut juste pas oublier de s'écouter, de faire des pauses de temps en temps pour écouter à l'intérieur, est-ce que je suis en train de vivre ma vie ou est-ce que je suis sur des rails, y compris dans la sexualité, vraiment. C'est fou parce qu'on cherche la liberté partout, mais des fois on pense qu'on a réussi à se libérer sexuellement, nous les femmes. Et on a le chemin, les filles, on a le chemin encore, et c'est ça la bonne nouvelle, hein, qu'on a encore du chemin. C'est un chemin magnifique. Oui. Tu parlais aussi de ces voyages et à travers la sexualité tout à l'heure, j'aimerais bien finir pour revenir à cette idée de ces voyages vers soi, vers l'autre, vers cette connexion. Et comment serait pour toi notre prochain pas comme femme en couple, aux femmes qui ont envie d'être en couple, pour travailler un peu plus cette connexion, pour travailler un peu plus que la sexualité soit vraiment ce voyage envers nous, envers l'autre, envers quelque chose de plus grand, et pas un chemin simplement de frottement et de recherche et course à l'orgasme. Ben, encore une fois, Marisa, moi je propose de ralentir, d'écouter à l'intérieur, de sentir est-ce que après je me sens pleine ou est-ce que je me sens vide, d'écouter tous les signaux. Il y a les signaux de mon corps. Est-ce que j'ai une expérience fluide dans mon corps? Est-ce que j'ose dire si je suis pénétrée trop tôt par rapport à mon rythme? Je pense que la majorité des femmes se laissent pénétrer trop tôt et que le corps est encore prêt. Est-ce que c'est des oui? Est-ce que ça c'est pour écouter soi? Et puis moi il y a une question. Tu sais, tu me disais de proposer quelque chose qui fasse un shift comme ça, un changement à l'intérieur. Se poser cette question chacun, est-ce que j'aimerais être avec moi dans un lit, dans cette fête, dans la sexualité? De prendre conscience aussi, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je donne pas? Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas? Qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas? Qui je suis? Est-ce que ce serait la fête de faire l'amour avec moi? Vraiment de se mettre dans une autre perspective. C'est-à-dire, moi je propose d'écouter à l'intérieur qu'est-ce que moi je vis de ce voyage et de se mettre à l'extérieur et de se dire, est-ce que j'aimerais être ton amant, ton amante? Est-ce que j'y reviendrai? Est-ce que je goûterai ça? Comme ça nous dit beaucoup de choses sur notre liberté, notre générosité, notre abandon, tout, tu vois, de se regarder de dedans et de dehors en même temps. Oui, est-ce que j'appellerai pour un autre rendez-vous avec moi-même? Est-ce que je prendrai vraiment le temps de me draguer encore une fois?
C'est intéressant comme exercice, c'est ça ta proposition, qu'on puisse se poser cette question. Bon, vous avez vos cahiers, vous avez la possibilité maintenant vraiment d'aller plus profondément et arrêter finalement de nous raconter des histoires, parce qu'on se raconte beaucoup d'histoires dans notre sexualité et notre plaisir. Oui, on se raconte beaucoup d'histoires. Et quand je parle de se regarder soi, c'est pas vraiment, vous avez compris, c'est pas du point de vue de la performance, hein. C'est pas est-ce que je suis une bonne performeuse sexuelle, mais c'est est-ce que je suis dans la connexion, dans l'abandon, dans le donner-recevoir. Comment c'est de vivre ça avec moi? Et c'est pas interdit de poser la question à son partenaire, parce que c'est aussi comme ça qu'on avance. Ah, c'est un vrai exercice. Bon, mais écoute, Florentine, merci beaucoup. Je crois que tu nous as donné plein de choses, j'ai pris plein d'autres. C'est un vrai plaisir de vous rencontrer encore une fois avec ces femmes. Et qu'on a le droit de la réveiller et de la faire vivre, quelles que soient les injonctions du monde, que c'est une très très belle partie de nous. Et que c'est un bonheur d'habiter cette partie-là. Wow, on est là pour le faire et pour l'incarner. Merci beaucoup Florentine, merci beaucoup à toi.